Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment remettre à jour son installer OS X Mountain Lion du Mac App Store. Fait que ça ici, là, notre installer qu'on a du Mac App Store qui est dans nos applications, là, pour le remettre à jour, c'est vraiment pas compliqué parce que, étant donné que là, on a eu une grosse mise à jour 10.8.2, elle était 10.8.1. Maintenant, dans vos applications, vous avez encore la 10.8.1. Ça veut dire, pour ce faire, vous allez sur le Mac App Store. Vous ouvrez le Mac App Store. Vous cliquez sur l'installer OS X, ici, et télécharger. Là, il va vous demander, vous l'avez déjà, êtes-vous sûr de vouloir télécharger? Vous continuez le téléchargement. Un coup qui va se télécharger, vous allez voir ici, là, dans votre Launchpad, là, il va y avoir la petite ligne bleue qui va apparaître. Fait que le téléchargement se fait. Puis si vous allez, si vous ouvrez Launchpad, là, vous allez le voir, votre installer. Vous allez voir où ce qui est rendu votre téléchargement. Fait que, à partir du moment qu'il va être fini, quand ça va être fini, vous avez si c'est long comme, parce que là, il envoie la version 10.8.2 par-dessus. Fait que, il va devenir 10.8.2 automatiquement. Puis ça, c'est bon jusqu'à temps que tu changes de logiciel. C'est ça qui est le fun quand tu l'as acheté du Mac App Store, là. Fait que tu peux le mettre à jour de même. Puis à la fin du téléchargement, il va ouvrir comme ça. Parce qu'il pense que vous voulez l'installer. Fait que vous avez juste à faire quitter. Boum, on ferme ça, puis c'est terminé. Il est devenu 10.8.2. Fait que là, vous pouvez faire votre nouvelle clé USB avec la 10.8.2. Parce que si vous en refaites une 10.8.1, votre clé USB, vous allez être obligé de refaire votre mise à jour sur votre nouveau système. Fait que c'est pour ça que c'est important de le mettre à jour pour vos nouvelles clés USB en 10.8.2. Fait que c'était ça mon tuto, puis j'espère que ça va vous aider, puis que ça va vous être utile. Fait que je vous remercie, à la prochaine, bye bye.